utilisé le gel, le 24h brow setter de chez Benefit. Habituellement, j'utilise la wax, le Fluff Up Brow Max, qui est super bien aussi. Mais en ce moment, je sais pas, j'aime bien utiliser le gel, donc je suis en mode gel. Sans oublier mon petit point de beauté que j'ai naturellement, je tiens à préciser. J'en ai beaucoup sur le visage, hein, des points de beauté, sauf que quand je me maquille, quand je mets du fond de teint, on les voit plus. Donc voilà. Je décide de repasser sur mes favoris. J'en ai même ici. Là. Et voilà, je décide de faire selon ces deux-là. Comme mascara, je mets le They Are Real, le Tinted Primer de chez Benefit encore. Je vais laisser mes cheveux sécher naturellement. Je pense que ça va être beaucoup mieux parce que j'ai l'impression que je suis en train de les abîmer grave en ce moment. Je sais pas ce qu'ils sont, ils sont super secs. Pourtant j'utilise de super shampoings que ma coiffeuse m'a conseillé, pardon, ici. Je sais pas. Si vous avez des shampoings à me conseiller, n'hésitez pas. Enfin voilà. Mon parfum. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question. Ce parfum, vous me voyez tous les jours me parfumer avec sur Snap. Je vous ai déjà parlé, c'est toujours chez le même que je commande mes parfums. C'est chez Smell Good. Je vais vous mettre son compte Snapchat. Il est vraiment top. Il a des parfums de niche incroyables. Et moi, c'est particulièrement celui-ci que j'aime bien parce qu'il est vraiment très doux. Il est sucré, doux, très attirant, je trouve. Quand je sens cette odeur, c'est vraiment captivant. Du coup, le nom du parfum, c'est le Kryptonite Rallye T. Il est incroyable. Je l'avais déjà commandé, je l'ai recommandé encore parce que je l'adore. Et j'aimerais bien aussi l'offrir à mes proches puisqu'ils l'aiment aussi. Normalement, je parle jamais des parfums que j'utilise. Vous savez, j'affiche jamais les noms des parfums que j'utilise parce que je déteste que tout le monde ait la même odeur que moi. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Je sais que vous êtes plein à m'avoir posé la question. C'était comme avec les pantalons que j'avais déjà présentés, enfin que j'avais déjà porté. Vous m'avez tout posé la question et j'ai jamais dit le nom. Donc je vais pas faire la radine. Vous me suivez, vous aimez ce que je poste. Donc moi, j'hésite pas à partager. Il faut savoir que c'est un parfum. En gros, ouais, je disais Kryptonite, c'est un parfum. Pardon, j'ai baissé le son parce qu'on m'entend plus. C'est un parfum pour hommes et pour femmes. C'est un parfum mixte. Moi, franchement, j'aimerais énormément sentir cette odeur sur un homme. Je dis pas qu'il fait plus homme que femme. Pas du tout. Je trouve que ce parfum, il a pas de genre. Il faut savoir que c'est un parfum super exclusif. Il n'a pas un gros stock. Il a vraiment très peu d'exemplaires. Je vous conseille vraiment de le commander chez lui. Surtout que voilà, les fêtes approchent, etc. Si vous avez un anniversaire ou peu importe, vous voulez faire plaisir à votre femme ou à votre conjoint, à votre mari, peu importe, ou même à une amie ou un ami, je vous conseille vraiment de lui offrir ce parfum. Au moins, vous savez que voilà, c'est un parfum de niche, c'est un parfum de qualité. Il reste très longtemps sur le corps. Ils se font super bien avec la peau. Et au moins, vous êtes sûr que voilà, c'est pas un parfum que vous pouvez trouver en parfumerie et que vous pouvez acheter facilement. C'est vraiment un parfum super compliqué à trouver. Donc voilà, moi j'ai l'adresse, j'arrive même plus à parler. J'ai la personne de référence qui peut vous fournir ces parfums. Donc n'hésitez pas à le contacter. Il n'a pas encore, il lui reste pas beaucoup de stock. Donc voilà, n'hésitez pas à moi. Je disais, il lui reste pas beaucoup de stock. Donc si vous voulez commander, n'hésitez pas à commander chez lui. Ça part très vite. Mais ça part pas très vite en mode tout le monde va avoir le même. Non, ça part très vite et il a pas beaucoup de stock. C'est un parfum super exclusif. Donc moi, je vous conseille vraiment
de le commander. Le stock est limité, donc vous n'allez pas vous retrouver avec les mêmes odeurs que tout le monde. Ça, c'est sûr. Ensuite, comme je disais, moi, je voulais trop le sentir sur un homme. Parce que moi, c'est le genre d'odeur qui vraiment m'attire. Enfin, que ce soit une femme ou un homme, genre, je vais sentir cette odeur, je vais dire... C'est pas un parfum qu'on sent partout. Il est incroyable. Vraiment. Vous savez que j'ai toujours commandé mes parfums chez le même. C'est chez Smell Good. Il n'a pas que ce parfum. Je tiens à vous rassurer. J'en ai déjà commandé des dizaines d'autres. Mais celui-là, vraiment, c'est mon favori pour le moment. Et vous m'avez tous posé la question. Genre, à chaque fois que je fais mes make-up et que je vous montre comment je me make-up, à la fin, je me parfume. Et vous me posez toutes et tous la question, c'est quoi ton parfum? Donc voilà, comme ça, vous savez. Et même rien que sentir ce parfum, vous allez avoir un peu une idée sur ma personnalité. Parce que ce parfum me convient vraiment.